Vos étiquettes sont prêtes. Vous avez le soleil, le nuage, la pluie, l'arc-en-ciel, les éclairs, le nuage gris, l'orage, le brouillard, la neige. Alors, je vous propose de réunir ces étiquettes sur un joli mobile. Comme ceci. Je souffle un petit peu pour faire tourner les images. Ah, le brouillard ne veut pas se retourner. Ok, vous avez vu? Alors pour ça, il va nous falloir une tige. Moi, j'ai pris deux pics à brochette en bois, un petit peu de scotch que vous voyez là, et du fil. Pas plus que ça, c'est tout. Allons-y. Nos images. Du scotch. Du fil. Des ciseaux pour couper le fil. Et deux pics à brochette ou autre chose pour avoir une tige suffisamment longue. Commençons par retourner nos images. Je les retourne en les espaçant les unes les autres pour avoir trois colonnes de trois images. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Ok? Maintenant, le fil. Je prépare trois longueurs de fil suffisamment longues pour les poser derrière les images. J'ai posé mes trois fils. Maintenant, avec l'aide du scotch, je vais accrocher mes images au fil. Et voilà, mes images sont accrochées par trois à un fil. Est bien attaché. Très bien. Maintenant, je m'occupe de ma tige. Alors, comme j'ai deux pics à brochette un peu courts, je vais utiliser le scotch pour les assembler. Scotch et je l'enroule autour de mes pics à brochette pour avoir une tige suffisamment longue. Cette tige, je la pose en haut. Je vais recadrer pour que vous voyez mieux. Maintenant, à l'aide de scotch ou à l'aide d'un nœud, je vais utiliser le scotch, je vais accrocher la première série d'images à une extrémité de la tige. À l'autre extrémité, je fixe
L'autre, c'est une image. Et maintenant, je fixe la série d'images du milieu avec un nœud, de manière à pouvoir la déplacer vers la droite ou vers la gauche pour régler l'équilibre de mon mobile. Encore une petite boucle de manière à pouvoir accrocher mon mobile. Et voilà. Il ne reste plus qu'à le soulever et à le suspendre. Et voilà. Si votre mobile penche un petit peu trop vers la droite ou vers la gauche, décalez la boucle du milieu pour lui redonner son équilibre. Là, il penche un peu trop de ce côté. Hop, je peux le rééquilibrer en déplaçant la ficelle. Ok? Appelez maintenant vos grands frères, vos grandes sœurs, vos parents à la rescousse et à vous de jouer. Envoyez-moi vos photos, je serai heureux de pouvoir les partager pour que toute la classe puisse voir le travail de chacun. Allez, au boulot, bon courage et à bientôt!